En ce moment où nous procédons à la clôture des activités consacrées à la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, nous profitons de cette occasion pour informer la communauté nationale et internationale que depuis bientôt 2 décennies, la prévention et la répression de la corruption, ainsi que les infractions connexes au sein de notre administration publique à tous les niveaux et à travers tout le pays, font partie des principales préoccupations du gouvernement de la République du Burundi. De ce fait, plusieurs documents officiels régissant l'organisation politique et administrative de notre pays le prouve insuffisante. Dans notre pays, nous avons déjà annoncé qu'une première stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption a été élaborée et adoptée et mise en œuvre. Une approche a permis aux acteurs étatiques, du secteur privé et de la société civile de s'approprier de l'ensemble du processus de la mise en place de cette stratégie nationale, d'adopter une politique de communication et de sensibilisation de la population et des acteurs divers sur le plan très négatif de la mauvaise gouvernance et du phénomène de corruption sur le développement de notre pays. Ceci a eu pour effet d'amorcer un changement d'attitude et de comportement dans le chef de la population à l'égard des phénomènes de mauvaise gouvernance et de corruption et des infractions connexes. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Burundi a mis en place tout un arsenal légal et institutionnel de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes. Le Burundi fait partie des premiers États qui ont ratifié la Convention de l'Union africaine contre la corruption et de la Convention des Nations unies contre la corruption. Il convient de rappeler qu'en 2009, à l'occasion de la troisième conférence des institutions de lutte contre la corruption en Afrique, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, a, dans son message d'ouverture, émis le souhait de voir la création d'une plateforme continentale en matière de lutte contre la corruption. Cette idée a par la suite été vivement soutenue par les chefs des institutions de lutte contre la corruption en Afrique de l'Est, et c'est ainsi que lors de la quatrième conférence annuelle de l'EAK, l'Assemblée générale de cette association a décidé d'organiser une conférence africaine des institutions de lutte contre la corruption à Bujumbura en juin 2011. Au cours de cette conférence, il a été décidé de créer l'Association des autorités africaines de lutte contre la corruption que aujourd'hui le Burundi abrite et dirige le secrétariat général. J'en profite pour souligner que la coopération sous toutes ses formes prônée par ces conventions citées reste une préoccupation pour le gouvernement du Burundi. Je m'en voudrais de terminer ce message sans remercier la communauté internationale et régionale pour tout l'appui et la collaboration qui fait que le Burundi ait fait un pas de géant dans la lutte contre la corruption et aujourd'hui est à la hauteur de financer son budget par tous ces efforts mis en œuvre par le gouvernement du Burundi.